place d'abord de la femme. Amen. Et cette histoire s'est restée comme une maladie, et surtout plus en Afrique. Si vous sortez de ce pays, vous arrivez en Occident. Si vous arrivez par exemple Europe, Amérique, tous ces pays développés là, vous allez tous arriver à conduire. C'est parce qu'ils trouvent que si tu dois attendre, parce que là-bas tu ne peux pas engager un chauffeur, vous allez lui payer combien? Et si tu dois attendre ton mari, des fois le mari doit partir, il faut que tu ailles prendre les enfants, il faut que tu les ramènes, des fois il faut que tu bouges. Par exemple, dans des villes comme Washington, il n'y a pas de transport public vraiment comme ça à Washington. Vous n'allez pas trouver vraiment des bus de transport public. Non. Ils ont verrouillé ça parce que l'Amérique veut vendre le véhicule. Il faut que chacun ait un véhicule. Et si vous avez votre véhicule, vous devez consommer du carburant. Et là, l'État a sa taxe. Il y a des choses qui sont verrouillées parce que vous devez consommer. S'il vous plaît, la femme n'a pas été créé pour dépendre que de l'homme, nulle part dans la Bible. D'ailleurs, quand on dit que les après, elle apprendra que Lippa et Zonga qui n'a Bethléem, il devait rentrer à Bethléem après avoir tout perdu. C'est comme ça qu'elle va chercher à dire au revoir à ça, à ses deux belles filles. Parce que Bango Bazala qui est Panabango, il fallait que chacune rentre dans la maison de ses parents et se sépare. Mais les deux filles ont semblé montrer un attachement à Naomi. Parce que si vous lisez bien la Bible, au départ, même Orpa, elle semblait aussi montrer de l'attachement. « Bango nyonso, non maman, nous ne pouvons pas rester parce que tu es une bonne femme. En tout cas, le temps qu'on a passé avec toi, 10 ans à tes côtés, belle-mère, en tout cas, on ne peut pas te quitter. » Naomi a cherché un peu à faire comprendre à ses deux filles, vous allez vous attacher à moi pour gagner quoi? Parce que je suis une vieille femme, je n'ai pas d'autres enfants, il n'y a que l'obi, la coupe est sebino, baba labino, vous avez encore des... faire votre vie, vous pouvez vous remarier. Je peux vous dire quelque chose. Dans la vie, si tu te mets toujours à écouter, la plupart, il y a des erreurs, c'est parce qu'ils ont écouté les autres. Il faut chercher d'abord, il y a comme il y a un canal de Yomo, avant il y a un Yomaba. Vous avez de l'âge. C'est comme ça qu'il y a même des femmes qui ont perdu leur mari, après, elles se sont embrouillées. Tu vois, il faut oublier cet homme-là pour que tu l'oublies. Il faut trouver un autre mari. Il faut ceci, cela. Oubliant que tu as des enfants. Le mari que tu vas trouver, c'est vrai, il viendra. Mais chacun cherche son intérêt. Est-ce qu'il va chercher l'intérêt de tes enfants? Et quand il va chercher à ce que tu sois totalement à lui, est-ce que tu auras encore le temps pour tes enfants? Et c'est comme ça qu'on a un bébé, via un bébé, tout ça parce que vous avez voulu écouter les autres. Au lieu d'abord de voir l'intérêt, d'abord il y a eu.
dans la vie, apprenez à écouter Dieu. Et pe miyo kaka yo moko. Kukamba makana batute. La plupart des gens, ils veulent conduire, ils veulent conseiller Batumusus du moment sa propre vie. Ils en ont péché. L'exhortation de Naomi, si on doit vraiment être humain, Naomi avait raison. Vous avez de l'âge, vous avez l'amitié. Maintenant, là que vous allez me suivre, vous avez l'âge, la vie, il faut que vous parlez, vous pouvez péter chacun pour se refaire de sa vie. Directement, on parle, écoutez, ma belle-mère, vous avez raison. Après la salinité, la journée n'a pas la parole. Que lui t'a dit à Naomi, ce que tu as dit, selon les mots, c'est vrai. Mais si je dois retourner dans ma famille, d'abord, un, je suis moabite. Nous sommes une nation maudite. Nous avons un problème depuis nos origines. Si aujourd'hui, j'ai perdu le mari, je suis resté dans mon ménage 10 ans sans enfant. C'est un témoin que nous avons un problème. Ce que nous avons origine et il y a bien, je voulais avoir des enfants avec mon âme. Pourquoi je l'ai perdu? Est-ce que je dois vous rentrer là-bas? Pourquoi? J'ai compris une chose. Que toi là, tu as un Dieu. Bien-aimé, même quand nous parlons de la foi c'est voir là où les autres ne voient pas. Sortir la place et à rue. Azola Naomi, vous allez dire que fille au hasard. Vous pensez que même à moi, quand les gens ont vu lui suivre Naomi, pas de critique à dire. Pour tout le monde, vous pouvez nous donner. Pour tout le monde, à vous pensez que vous avez une vérité, à la main, à vous soucier. Ma fille, ok. Ma côté si frontière, ma côté, na Bethléem. On sait qu'ils vont arriver là-bas. Rue. Ajolanda, maman Zane, le côté, une vieille maman. Suite à ça, quand Naomi a regardé, dit non. À mon tour, il faut aller compenser moi la mention. Allez observer une chose. Amen. La vie est de la anabatumusus. Nzamba tiaka nanzela ya batumusus. Ce que vous conseillez, vous ne pouvez pas faire. Parce que je parle de la fille, vous allez me supporter. Je peux vraiment parler en désordre. L'essentiel, vous avez quelque chose. Donner des exemples. Dans cette église, on avait une fille. Cette fille, c'est pas par quel biais, elle avait à découvrir notre église. Elle habitait juste Kalembelembe et là, l'autre direction, c'est pas l'avenue des marais, c'est pas si c'est ça. C'est quelle direction? Pardon? Ah. J'ai déjà corrigé, on ne dit pas du marais. Même quand la femme a démarré, on ne dit pas démarré, on dit démarré. Parce que c'est une marée. Hein? C'est ce côté là où tu as dit au pluriel. D avec S, marée, avec l'avenue démarré. On ne dit pas venir démarré. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit une marée humaine. On ne dit pas une marée humaine. L'avenue démarré, l'autre direction. C'est là où la fille habitait juste. Elle est démarrée chez ses parents. Une famille où papa, maman, babotibana, mais tous ces enfants-là qui avaient un peu de l'âge, chacun s'est débrouillé. Ils avaient leur petit frère qui pouvait avoir 7 ou 8 ans. Maman et papa,
ils ne prenaient soin que yamono yamoke bino ba mikolo debrouillez ndako yo ke balamba kate bukola na tonu ba tonu pour kama kulamba te ma papa kobima ayena pokwa ayena lipa na libanga ya ya mili kinani a chauffer mai na ya balusia mela kotia na umuli mama paye na kwanga na Thompson abenji mwana ya mke afunguli bani akotia na il y a des familles comme ça qui chassent mutu na mutazo ya zo vivre na ndenge na yi. Maintenant cette fille avec toutes ces réalités là était obligée ya kolinga un garçon pour qu'il prenne soin de lui. Et le garçon vendait ici au grand marché. Le garçon habitait Kingasani. Le garçon, il est obligé, soit qu'à Sinisikoteka, il appelle la fille Bamonani, Basololi, ce qui va coûter quelque part, à la fin, à quelle fille, moi, 5 000 francs. Mais la fille vivait comme ça. Et chaque jour, il faut Bamonani. Peut-être dimanche, ce que garçon comme a tabouité, fille Falanda, soit à côté de l'embourg à 2 jours. Après, la fille découvre l'église. Il est obligé d'être à l'église. Au moins, l'église en abysse, tout déborde. Tu es des fois 20h, 21h, on est là. Maintenant, le garçon a 6 ans, il faut qu'il ait l'objet de la tombaille. A côté de mon numéro à fille, des fois la fille ne prend pas. Et par après, il vient prendre. Tu étais où? J'étais à l'église. Et tu sais que moi, je dois partir. À Koutan. Alors, ça commence à créer maintenant un problème. Des fois, garçon, comme il bête, moi si. Tu dois arrêter avec cette église. Il faut faire le choix. Ou soit c'est moi, ou soit c'est l'église. Maintenant, par après, la fille est venue me voir. Papa, j'aime Dieu. Je veux aussi être à l'église, mais avec la relation que j'ai, ça ne me permet plus. Soit je suis obligé, soit on a arrêté l'église pour notre ce garçon. Parce que moi, là-bas, tu peux, j'ai dit à la fille, tu vas vivre comme ça jusqu'à quand? Qu'est-ce que ce garçon-là fait que toi, tu ne peux pas faire? Oh non, papa, parce que je vous ai suivi, hein, il y a des gens qui ont posé des questions ici aux premières intervenants. Oh non, mais où trouver les fonds de démarrage, c'est ce qui nous pose problème. Quand j'ai essayé un peu de conscientiser la fille, elle va me poser la question, mais papa, c'est vrai, si je dois arrêter avec les garçons, je vais vivre comment? J'ai dit, mais tu peux aussi commencer à vendre. Je n'ai pas de capital. Je lui ai dit, ok. Je ne sais pas si elle, dans sa tête, elle pensait que moi, j'allais lui donner le fonds. Je lui ai dit, je te donne un devoir. Demain, tu vas aller en ville, tu vas sillonner. Est-ce que tu connais là où le type là va? Oui, j'ai connu, mais on place à jour. Après, on peut tourner à Zand. Tu as les filles de ton âge. Si on ne peut pas faire mon âge, on a Zand. Tu as les caca, Nini, Balouka, 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 mais après, on s'en est pas au. Après, tu viens me voir. Le matin, la fille est entrée en ville. Ah, Balouki, 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 Balouki. Après prière, elle est venue me voir, papa, j'ai vu, ah, la monnaie peut pas tuer, je n'en ai pas la zone. Ma papa, ma zone, ma sac, ma cahier, ma mine. J'ai dit, okay, est-ce que toi, tu ne peux pas faire ça? Oh, papa, je n'ai rien. Nathalie, mais je vois sur ton cou là. Regarde-moi, je n'ai pas. C'est déjà capital. Ah, papa, ça ne coûte rien, ça peut avoir la valeur. Si c'est cher, papa, c'est $120. Et c'est tout ce que j'ai, na veya na onde fon na gagnos. Na bi va vendre ça demain. Tu me ramènes tout ce que tu auras. L'ande bien. La fille est partie, elle a vendu sa chaînette. Elle me revient avec $120. Na bi ok. Le moulin na nous $12 et a jim. Bonjour sec. L'ongoule est là, $12 à 10. L'ongoule $12. Sur 120, on reste avec combien? 102. 108. J'ai prié pour l'argent. Je lui ai dit, maintenant, les 2-3 jours ici, tu enlèves d'abord les $8 restants.
Et que vous pour moi, il a un peu de la capitale à combien 100. Quand vous place un exemple, paye quelque chose. Vous avez un peu de la salle, je vais essayer. Je vais essayer. Ma papa. Je lui dis, va essayer. Et chaque jour, après que tu viens me faire un rapport, la fille est allée au marché. Elle a commencé petit à petit, petit à petit. La fille a commencé à s'adapter. Et j'ai même découvert par après qu'elle avait ce talent-là. Vraiment, elle était courageuse, vraiment, tellement qu'elle s'est donnée à ce qu'elle faisait. Je vous dis, le ciel m'entend. Moi, si ma fille est bandée au matin, et chaque fois quand elle avait un peu de bon matin, je lui disais, il faut enlever, tu n'es pas dans la bombe là. Mon bureau est encore ici. Je me suis retrouvé dans mon bureau avec 7500 dollars. Il y a moins de moi, c'est un signe dans ma boue. Après, avant de s'embrouiller, il faut qu'il y ait des potes. J'essaie encore de parler, ma fille. Mais déjà, dans peu de temps, tu as eu 7500. Et vous savez, après ce que les garçons ont fait, cela, on me fait fil, mais en tout cas, moi, je n'ai plus le temps pour toi. Au moins, on est au pasteur. Je lui ai dit, ferme les oreilles, regarde de l'avant. Il peut dire que ça. Parce que lui pensait que... Et en plus, la fille a eu même plus d'argent que le garçon. Ce garçon, il est un médecin. Tu dois me dire qu'il t'a donné l'argent. Amen. La fille commence à s'embrouiller. J'ai essayé de lui donner conseil. Kobanan, forcé. Tu peux acheter même une parcelle. Après, porte ça. Non, non, il est déjà avec sa pote. T'es un bon angaï. Elle est allée bah, escroquer les 7500. Elle est encore revenue. Je lui ai dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par ça, c'est une correction. Peut-être tu vas écouter. Reprends encore. Il a encore repris. Et c'était une fille qui avait, c'est pas une grâce là. Quelques temps après, elle avait 5000 à main. Je crois que cet exemple, je l'ai toujours donné dans cette église. Aujourd'hui, je vous parle, cette fille est mariée. Elle est mère de deux enfants dans cette église. Elle est chaque jour dans cette église. Et après ça, n'a qu'au moins à Liboso, c'est à Zandoui. Elle est dans cette église. Maintenant, elle est toujours dans ce commerce. Elle aide son mari. Et je vais vous dire, qui a épousé la fille? C'est un serviteur de cette église. Elle est l'épouse d'un serviteur. Et pourquoi le serviteur a suivi aussi la fille? Parce qu'il a trouvé que c'était une fille courageuse. Les hommes, ils ne sont pas capables de moi, si je suis à quoi je peux épauler. Il y a une tantine, je t'aime. Oui, merci. Ma foot. Je n'ai pas de téléphone. Après, vous parlez de la famille, c'est une déception. Je vais vous donner un deuxième exemple. Après, je vais rentrer dans la Bible. J'ai une dame dans cette église. Je vais parler avec elle demain dimanche. Ce que maman a dit, que lorsqu'il y aura encore des rencontres comme ça, elle est oratrice, parce qu'elle est une intellectuelle. Cette dame. Parce que vraiment, c'est parmi Bananangaï. J'ai commencé avec elle depuis Congo, le 14 à Barumbu, depuis 96. Tous en été à l'église. Cette dame avait épousé un mari qui travaillait. Elle était femme de ménage. Et le mari a aussi une compagnie d'aviation. Si le mari trouve du travail, en tout cas, va s'organiser, va quitter, ndakouya bien, et la dîme, des fois même nous, on sentait qu'on a quand même des partenaires à l'église. Ceux qui accompagnent les koufis, nous allons perdre mon salaire, parce que la vie passe. Tu vas perdre la garantie. Moi, ce qui est pas là-bas, nous allons vendre pas ma camarade. Même deux ans, sur le mon salaire, ma banque se reconstituer. Et c'était comme ça. Après, j'ai dit à la maman, vous allez continuer comme ça jusqu'à quand? Tu as quand même une tête, non?
Oh, mais papa, maintenant, je vais faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu ne peux pas faire du commerce? Oh, mais papa, maman, est-ce que tu ne peux pas essayer? Un jour, oh, non, mon mari ne va pas accepter. J'ai dit, moi, je vais parler avec ton mari. Et je suis dans la maison, là-bas, dit, c'est papa. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas une vie. D'abord, vous aurez à tes médications là-bas. Tantôt, bah, na boy, bino boy. Ça ne vous honore pas. Oh, non, papa, mais on peut faire quoi? Je vous dis, Dieu est témoin. Cette maman a commencé avec 30 dollars na Zambe. 30 dollars, elle faisait comment? Parce qu'il place le bossoir dans le magasin à Bandingari. Elle vient le matin, à côté du magasin, à Sengibiloko, dans le magasin, ma West African. Elle vient à Bandingote et le bossoir dans le en détail. À côté de la banque. Il y a un jour, moi, Mike Mike, le soir, où il est fini, à ce petit bangombo, à l'ongoli, il y a eu, où il était amité à son lycée le banque. Maintenant, le Sénégal, quand il trouvait que c'était une femme courageuse, dans l'autre, oh, bah, on peut faire ce qu'on a au-delà là où on se tambou là. Attends, maman, je vois qu'à. Des fois, vous écoutez, t'as la main, c'est plein. Mais il y a eu ça, n'a pas été. Maintenant, moi, Mike Mike, je suis Pemben, puis un jour, dans mon maman, je suis un papa, j'ai 4000 dollars, mais je suis de Chine. Comme ça, je suis un peu. Mais maman, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai prié pour elle, elle est passée pour la Kishin, à Zong. Pas, mon tabandi, ma mère, ça n'a pas eu de problème. Papa, 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 n'est venu dans la maison. Aujourd'hui, je vous parle. Cette dame, Azana Lupango, n'a pas eu de chasseur, à ton étage. Azana 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 Soukombe. C'est parmi mes partenaires dans l'église. Des fois, si elle ne voyage pas, un jour, j'ai vu son mari na bureau nangai. Baninga bazo sekangai. Balugo tik moi sa zo mata. Akomi olikayo na mbongo. Alors, je dois tout arrêter. Nabise papa, so oza ndoki. Meka. Abandi ko troubler moi. Il faut boto la nyos. Non 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 non. Oko ki mangai, baninga bazo sekangai. Yo mbali mobimba. Siko mbongo moi si na mbongo bele, siko nani patron. Je suis un gars de Simanaïe. Je suis un commerce au député. Je suis un robot. Pour y aller dans la Chine, je suis un homme. Je suis un homme qui est tourné. 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 Je suis patrouille. Non, c'est la femme qui. Ah, je dis, oui, papa. Et aujourd'hui, je vous parle, moi, c'est là, mon bal, je suis la taille au Kenya comme ça. Et là, derrière sa femme, ma zan, il travaille. Bah, ton immeuble, il y a un hôtel, un appartement. Bah, ma zan, on est sur combien? Bah, on a basé, bah, on a basé, bah, on a basé, bah, on a basé, bah, même si tu devais seulement attendre que le mari trouve du travail. Et cette vie, tu wapi. Vous savez, dans la vie, il faut comprendre et arriver à vous décider. En vous, là, il y a des valeurs. Mais comment non, on me kate. Comment on peut que les domaines la yote? Parce que non, on me kate. N'est-ce pas en français, on dit qu'il ne risque rien à rien. Est-ce que tu as déjà risqué? Est-ce qu'on vous a dit que la vie appartient seulement à ceux qui ont des grands diplômes? Vous pensez que pour réussir dans la vie, seulement il faut vraiment beaucoup d'études? Ne sois pas complexé. Nous encourageons nos filles à étudier. Amen. Alléluia. D'ailleurs, j'ai suivi sur TikTok un pasteur qui dit ceci. Un jour, des jeunes gens lui ont dit, nos parents nous encourageaient ou nous disaient toujours qu'il faut étudier parce que les études, c'est ça même les clés de la vie. Mais on a étudié, on a eu les clés de la vie. Maintenant, dès qu'on a eu les clés,
le gouvernement changeait de série. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. On pensait que les études, c'est ça les clés de la vie. Mais quand on a eu les clés de la vie, on arrive comme ça, le gouvernement change de série. Maintenant, on ne sait plus ouvrir. Bon, pour vous dire que il y a des gens qui ont des diplômes à la maison, mais qui ne font rien. Des fois, ne pensez pas que tout ce qu'il faut, le business, batangate. Et vous ne pensez pas aussi à Totanga, il y aura toujours des bureaux pour tout le monde. Et d'ailleurs, Batuba Simba économie à monde, ce n'est pas des salariés. Vrai Batuba Ningisa économie à Moukil, ce sont des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Et si vous savez, aux États-Unis, quand quelqu'un se pointe comme candidat, ceux qui ont collaboré là-bas, hommes d'affaires, là-bas, femmes d'affaires, ont été, même pour les arapaces. Le salarié, il attend, même si vous payez 2 000 $ par mois, déjà vous allez, votre vie va dépendre de ces budgets-là. Et c'est déjà fixé, calculé. Mais celui qui est dans les affaires, il peut gagner 20 000 $ dans un mois. Ce qu'on y habite, Simba économie à Moukine. Et ça, c'est un entrepreneuriat. C'est pourquoi même ceux qui travaillent, je vous encourage aussi à créer toujours vos propres entreprises. Ce que vous gagnez là, il faut toujours savoir comment orienter ça. Et c'est pourquoi vous me voyez, je suis pasteur. Mais en dehors de mon métier de pasteur, je fais toujours quelque chose à côté. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a eu confinement, ben n'inga ba pasteur ba la la inzal. Parce qu'on pensait, quand on a dit on ferme l'église, les églises, le chef de l'État veut dire c'est pour 30 jours. Oui ou non? On met à 30 jours, on ajoute 30. 30, on ajoute 30. 30, on ajoute 30. Et tout ce qui dépendait des offrandes, vous savez ce qu'ils ont dit traverser. Mais nous autres, on vivait. Nous autres, on était à l'aise. Et chaque matin, va passer le besoin, il n'y a pas d'angaï, dépanné bis. Et je leur ai dit, est-ce que ça ne peut pas maintenant vous enseigner? Vous savez, on avait tout arrêté. Mais Bakanga y pharmacie. Nous avons tous à la pharmacie. Bakanga qui transportait. Et nous avons des véhicules de transport. Et chaque soir, moi je recevais des versements. Et moi je pouvais vivre. Même si l'église était fermée. Mais si je devais dépendre seulement des offrandes. Dans une église, je vais vendre à coffrant. Les jours où tu auras un problème au travail, directement, vie peut changer, baby. Pourquoi tu dois toujours dépendre de quelque chose, soit d'un salaire ou bien de quelqu'un? C'est comme ça que vous allez voir les gens qui ont une bonne vie, dès que Mobali a couffé, tout bascule. On ne souhaite pas ça, mais la vie ne nous appartient pas. Tu peux te réveiller matin, Moubali Azate. Vous allez faire quoi? Et si dans ta tête, là, il n'y a rien. Si toi, tu sais dépendre et de papa, tu te réveilles le matin, tu connais les titres. C'est quoi? Tu es le bien, on est bon, on peut s'en aller. On est mort. On est mort. On est mort. Je prends un dernier verset pour vous faire mal. J'ai dit, je prends un dernier verset pour vous faire avant de terminer. Proverbe 31, à partir du verset 10, pour vous faire mal. C'est un verset que je donne pour vous faire mal. Et dans la base, nous sommes ce soir. Nous sommes dans le commerce. Nous sommes dans le commerce. Nous sommes dans le méga conférence. Nous sommes dans le commerce. Map sommes Fumba le Ulamba tina spaghetti na kwa. Basi ya modula nusu kubadala tuko ulo la bango. Uba kwe ya kakaka. Proverbe 30, commence par le verset 10. Je suis de ceux-là, moi. Je suis de ceux-là. Qui? Je disais toujours, moi, ma femme ne peut pas travailler. Parce que vraiment je suis là, pourquoi il doit travailler? Après j'ai compris que c'était le villageois qui parlait à moi. Oui. L'esprit qui villageois.
ce Obali village, vous allez souffrir. Amen. Il arrive des moments, depuis que ma femme fait aussi ce qu'elle fait, des fois, na koki kozala bloqué quelque part. Vous venez aux Okuta, non, et là, vous voyez tomber en panne. J'ai déjà dépensé 700 dollars, on a réparé, aux hommes sont bons en Angaï. Mais déjà, vous trouvez, il y a déjà la solution. Des fois, nous avons dit, mais déjà, il y a la solution. Mais quand il n'avait rien, il devait attendre de moi. Ou soit quand des fois je laisse l'argent, c'est pour des programmes. Déjà quand il dépense, ça c'est fini. Il faut que je vienne encore intervenir, non. Maintenant il peut faire des choses. Des fois vous venez, comme ça vous trouvez, il a fait la provision de la maison. Il m'a dit, dépassé 1200. Je me sens bon en Angaï. Et là je rembourse. Mais déjà, la solution a été déjà trouvée. Et j'ai compris que si, depuis longtemps, on avait fait ça, mais tu avances dans ma cambobelle. Lisez la Bible. Proverbe chapitre 31, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse? On dit qui peut trouver une femme. La femme vertueuse existe. Moi, si à Mayel, moi, si à Boagna. Basuana Bazalak. Ba produit rare. Femme vertueuse, produit. Est-ce qu'on connaît le produit rare? Il y a maintenant le proverbe Salomon, la sagesse. Il dit qui peut, quel est ce garçon-là? Ou à Kobete Libakouya bien, que Navina a trouvé une femme vertueuse. Lisez la Bible. Elle a bien plus de valeur que les pères. Allez qui bijoux n'a valeur. Femme vertueuse, allez qui bijoux. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Pardon? Elle lui fait du bien et on non dit, du elle mal. Lui fait. Elle lui fait du bien. Elle fait du bien à qui? À son mari. La femme vertueuse fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non, et non du mal à sa... tous les jours de sa vie. Toi avancer, maman. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Vous comprenez? La femme vertueuse, elle fait quoi? Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est capable de se procurer des histoires de très loin. Elle peut aller importer, acheter et venir revendre. La femme vertueuse, c'est celle-là qui n'attend pas que le secours du mari. La femme vertueuse, c'est celle-là qui, elle aussi, peut donner solution, même pendant l'absence du mari. Le mari peut compter sur elle. Même si je ne suis pas là, ma femme peut faire quelque chose. Même si je suis bloqué quelque part, je vais trouver déjà la solution. Femme vertueuse. Dans cette salle, on a une femme vertueuse. Continuez, maman. Elle est quand même un navire marchand. On dit hasard la masoua ya commerce. Comment ça? Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. La femme vertueuse se réveille à quelle heure? Lorsqu'il est encore 3 heures, 4 heures. Vous savez, il y a des femmes qu'il faut respecter dans la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ma maman, bon, celle qui, ma mère biologique, elle prie dans cette église. Ce qui m'a évité, naïbisa bande qu'on a gagné, et de la ba nièce, ba neveu, ba gagné sous baïbi. Si vous touchez à ma mère, ce qui est au coma place à Nazate, ba gagné sous baïbi. Même moi, si nanga respecte ma maman, nanga ma casse, parce que naïbisa kabangu, que c'est tout ce qui me reste. Pourquoi? Parce que cette dame, elle avait tout fait quand le papa est mort pour te omabat. Et
pouvait se lever à 3h du matin, na mboka, à Kei, à Kei, au Somba, Manioko, Moussika, à Yan Yikisi, à Lobusus, à Bouto, à Kei Kote, à Naweze, Moussika. Des fois, elle pouvait quitter Moujimaï pour aller vendre à Chiling. Et des fois, elle le va dans des carrières. C'est ce qu'on appelle Chipanako. Pour la bande de Wakasa, ils ont Chipanako, vous connaissez. Panako, vous ne connaissez pas. Ma crise, lorsque je suis en diamant, le boulot est en moulaï. Je suis en moulaï, mélangé dans le sable. Je suis en bande de moukil. Mais maintenant, il faut éteindre la maille pour tamiser ce que je suis diamant. Alors, il faut baser un bâton, baser un chabilo ou un sac. Il y a un menu à moutou, un menu à créer un maï. Après, au commissaire de la maï, bangusu ou bayou batamise. Alors, bâton, baser un menu à bangouan, on les appelait panako. Dans ma cambria ba carrière. Maintenant, bako fouta yon bongote. On me met le bango, me met le bango ici de Nasuka, baser un pega à babilo ou un sac. Bapesio, chance na yo. So que vous l'occupez, vous tamisez le yo. So que l'eau est bénite, vous en n'en avez pas. Au coup de tapé de moi, vous en l'autre. Des fois, au coup de tapé, vous en dites à maïa mounen, vous n'avez pas créé, 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 vous. Des fois, ma mère a fait ça. Amen. Et Moukolo Moukwa Zaka Mbongo. Tu vas dire, oh, bonjour, c'est ça. Maman est venue à Zidjama. Oh, tu me dis, on est là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Zolandaï. Panako a commis l'ambon. Mouanda, tu es changé, banini, do, ba so, so, ba radio. Musique, banjo, tu es tananda. Tout ça, tu es là-bas, tu es là-bas. Parce que papa n'était pas là. Il y a des femmes qui se sont battues. Mais yo, bana yalelo, bana android. Que Dieu vous bénisse. On finit la lecture, je m'arrête là, je ne vais pas vous prendre trop de temps, on va continuer prochainement. Lisez seulement jusqu'à 14. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La dame vertueuse donne quoi? Est-ce que toi tu donnes la nourriture à ta maison? Est-ce que tu peux trouver des solutions? Nanda unayo, même en absence à papa. Est-ce que tu peux épauler papa? Est-ce que tu arrives à gagner quelque chose? Nous avons à ces plaignants. À Kanda Kélo, mais la Sénat, bon, il y a le pape. Vous allez sortir de cette conférence avec quoi dans la tête? Est-ce que vous pensez que pour réussir dans la vie, il faut commencer le commerce avec 2000 dollars, avec 5000 dollars? Vous ne savez pas que Batou d'ailleurs, Babanda, en amour, vous avez une amicité. Pour preuve, Batou, Bazo, Abambou, Baté, il parle à famille. 30000 dollars à Bandia à faire, Bagenda Wap. La Bible dit un bien mal acquis diminue. Continuez le verset. Mais celui qui l'acquiert pèse à peu l'augmente. Vous comprenez? Donc d'après Dieu, pour augmenter, il faut garder petit à petit, mouke, mouke, ne moutamata. Mais celui qui reçoit du coup finit toujours par rester mais vide. Commence à zéro. Commence avec 1, 2, 3. En dehors de ce que tu gagnes au travail. Tu peux créer même moi Salomon ou des coiffures. Après le travail, le soir, tu es encore là. Il suffit si Dieu te fait grâce. Je peux pas me couper ma yelle. Vous allez de l'avant.
télé Maricolo. Télé Maricolo. Les gens ont la falsité de dire voici l'homme a beaucoup d'argent, voici l'homme a ceci, cela. Et beaucoup de gens pensent que dans la femme de l'église. Non. Moi, je suis dans beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et un jour, je vous avais dit ici, j'étais allé en Europe pour les soins médicaux. Mais je suis resté en Europe 10 mois, commerçant. La famille n'a pas payé 10 mois. Pour le traitement. Il y a des choses que moi j'ai créées en Europe. Et les lustres que nous avons pour de temps en temps, nous avons j'ai maintenant des affaires en Europe. J'ai dû étudier le terrain. J'ai dit, est-ce que je peux faire en Europe? Et je me suis dit, pourquoi les ambassades se avant de 10 mois? Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai étudié le terrain. On a fini la dédicace dimanche, un certain 18 février 2024 au Palais du Peuple. Amen. Et j'ai pris mon avion le lundi. Vous savez que ce n'est pas de bonnes habitudes. Vous terminez un grand service comme ça, directement le passé de voyage. Mais j'étais obligé, malgré moi, pourquoi? Parce que je devais être à une conférence en Italie, invité par mes partenaires. Et ce n'était plus pour les choses de Dieu, c'était dans mes affaires. Alors je devais arriver, quitter mardi, je suis, quitter lundi, mardi je suis à Paris, je prends mon avion mercredi matin et j'arrive mercredi soir à Milan et je commence la conférence. Et ce n'était pas ma cabonazambe, et de côté était. Mais il faire là. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce, pour je simple s'avance. Est-ce que nous avons fait de la bonza? Non. Vous allez me trouver dans beaucoup de choses. Je ne peux pas tout étaler ici, c'est ma vie privée. Mais il dit ma binote. Et surtout que ça passe à l'internet. Je ne peux pas tout dire. Mais bref, il faut que la tête tourne. Et j'ai appris à que même si on a un personnel, dans un mois, il y a 1000 dollars. Il faut faire les liens. Je me demande ces 1000 dollars, si j'investis, demain ça peut devenir 1500. Est-ce que tu ne peux pas prier? Pourquoi Dieu a voulu que vous ayez voici l'homme? Pourquoi Dieu a voulu que vous ayez voici? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et pourquoi il faut échouer dans la vie? Pourquoi il faut seulement que vous ayez simbaté? Et simbaté pour l'année? Tu vas prier aujourd'hui. De cette conférence, il faut demander quelque chose. Il faut que tu pries. Il faut que tu dises quelque chose à Dieu. Tout ça mêlé là au bon à Jésus. Prie. Yeah.
Sambe la bonne vie na yo. Sambe fongo na yo moutou. Que Dieu te montre ce que tu peux faire. Faut que tu comprennes. La vie c'est la tête. Est-ce que tu peux détruire l'esprit d'échec? Est-ce que tu peux dire échec? Est-ce que tu peux détruire l'échec? Pourquoi chaque fois que tu essaies d'entreprendre, tu finis toujours par échouer? Est-ce que tu dois continuer à échouer? Il faut que l'échec quitte tes affaires. Prions au nom de Jésus. Ça la prière, tellement l'échec, tellement la perte. Dans la vie, à un certain niveau, il faut que tu travailles avec des gens. Mais là, tu as une activité, il faut placer quelqu'un là-bas. Dis à Dieu, après ça, paye, bah, tu as bien. On a à peine la chance à courir, on a bah, tu as bien. Ce qui nous détruit aussi dans ces pays, les Congolais, bah, la malhonnêteté, mon peuple a beauté. Atazo sambela ko sambelo mona o ya lukuta ibele bazo sambela pona na moni mbongo te congolais devant l'argent pasteur atika ki pasteur intercesseur atika akoma ka muyibi devant l'argent ata pasteur na Congo na yibi tosuki bazana c'est pas c'est une malédiction pour notre pays. Aujourd'hui le pays n'avance pas, pourquoi? Les policiers ne font que détourner. Ne font que détourner. Et chez nous, on nous vole en termes de millions. Au nom de Jésus. Que tu tombes aussi au là battu fidèle. Battu malam. Zamba peso battu à bien au travail là-bas. Fais la prière. Seigneur, aide-moi. Mets sur mon chemin des gens honnêtes, fidèles. Te semblent là au nom de Jésus. C'est vrai, j'ai pris l'engagement de faire quelque chose. Mais je vais travailler avec qui? Seigneur, à qui faire confiance? À qui me confier? Qui utiliser? Jésus, assiste-moi. Fais-moi grâce. Aide-moi, Seigneur. Le voilà dans la langue. De malhonnêtes, de voleurs, de malcoulés, de aventuriers. Les gens qui viennent pour détruire, pour détourner, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Fandanase. Et là, je vais prier pour quelques personnes, parce que j'ai aussi ce mandat-là de vous bénir. L'homme ne donne que ce qu'il a. Je vais prier pour quelques personnes qui ont quand même compris l'importance de cette conférence. Ceux qui estiment aussi que si on prie pour eux, ils peuvent, Dieu peut déclencher un miracle. Même dans ce que tu fais, Dieu peut mettre en toi une bénédiction. Dieu peut vous ajouter de l'intelligence. C'est pourquoi je vais prier pour ces gens-là. Ce n'est pas s'il y a une maman, une soeur qui peut s'élever, faire une offrande de $50. Même un engagement, je vais prier pour que Dieu bénisse ce que tu fais, ce que tu entreprends,
En tout cas, le pamboli na zambe landayo. $50 ou plus, tu viens, même si vous connaissez toujours des difficultés dans ce que tu fais, tu vas me dire, je vais prier pour toi, que Dieu te fasse grâce pour ça. $50, je prie pour toi. Zamba pamboli, mais ça n'est pas beaucoup. Que Dieu fasse de toi une femme vertueuse. Parce que c'est vrai de prêcher, mais après la batmoussoua, à sa tante, nous sommes le bas. Mais ici, m'arrêter. Peut-être parce qu'il y a un problème spirituel. Nous voulons prier même pour ça. Tu avais déjà l'argent, mais aujourd'hui, tu retrouves même vide. Des combats spirituels. C'est une loi établie. Avec ce $50, tu viens, je prie pour toi. Ce qui vous a été bolobi na ki na ngana kati na ki. Boka bagate ba mama. Na on prend que l'église va tomber sur vous ba papa. Que Dieu vous bénisse. Ma futa na zambi ki tel kolona bino. Ma prière est que l'année 2025 au mois de mars lorsqu'on va encore se retrouver ici où il y a un témoignage. C'est ça la prière que je vais faire. Au mois de mars de l'année prochaine, vous venez avec un témoignage. Pas la conférence tout seul pour la clôture du mois de la femme. Vraiment, quand vous avez prié pour moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté une nouvelle parcelle. J'ai ouvert des maisons et maintenant je commence à faire Europe Kinshasa. Que Dieu ajoute à ce que vous faites déjà, à ce que vous avez au nom de Jésus. Amen. $20, $30, venez aussi. Si c'est un engagement, vous pouvez prendre aussi un engagement ou une semaine. $20, $30. Azabe.
5000 francs. 5000 francs. Je pouvais vous offrir à moi sandwich, moi pour pas, mais Congo y a l'élo. C'est pas voici l'homme au nom de Jésus. Attends, nature, tu ressembles à Bissomoko. Yamini. À nature. Yakokauka. Na comprendre ma bozole beto. Yakokauka anati. Mbongo. Atafacha ko sala. Atafacha o sala le bozole atafachi. Le bozole yao na ba ni obimise $10 obimise o le au nom de Jésus moto. Ma condition ne zika. La tombe en moto au nom de Jésus. Ege de musique. Tele mana pambre bino ngana au nom de Jésus. Ok, prochainement, na oya na ba kanete ya ukangam. Nini? Tukumi unende weni. Tukumi unende weni. Ozo sa la prière, sambela pona équipe organisationnelle, que le Dieu de toute grâce, même bande unyosu ba intervenir, zamba pambu la bangu, d'abord ils ont accepté l'invitation, zamba kuba osale la bangu davantage, Amen, ma bangou moussika, en dehors de ces cadres, l'obi l'obi ba, ni même la ba cadre, amine ne collègue, to sambeli au nom de Jésus. Sambela, Seigneur, to pambouli yo, to pambouli équipe d'organisation, le bo au nom zambé salakati na bangou, pe sa bangou encore, ma yene, ma kasi, fungula bangou, to pambula bangou davantage, même ba yo ba intervenir. Le bon qu'on a eu ça là prochainement
Bamata, Bazo ba invitation à mener le fou, à pas même qu'il bande à bouc. Au nom de Jésus. Amen. Je retourne la parole. Milolo, 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 Milolo. Nanto bengani esprit de mort, te baba mambo bimate. Nanto bengani moulimo soukaya. Nanto bengani en wote. Bandeko, omoni soki to vandi boe. Mi bete anon maboko, mi bete anon maboko a bien, mi bete anon maboko a succès, a réussite. Mi bete anon maboko. Et dans la bande de bazala qui au four et au moulin pour organisation en boye et salement. Bande de na ba bengi bango jeunesse VIP en collaboration na bande de batal département makambo etali ba maman pe makambo etali ba sœur pour makambo et salement. Alors tozo senga na protocole na biso soki bako sala na lombango nyonso bandeko to soutenir bandeko na biso ya jeunesse parce que au-delà de tout bazana ba action na bango o bazo sala pona ko sala ba milimu ya boye to soutenir pe bango soko zana 1000 francs 2000 francs 500 francs quelque chose tiana panye wana et de bango ba organiser ba biloko ya boye lisus pour to inviter lisus papa ya 4x4 na biso. Protocole, s'il vous plaît, panier. Tant que nous avons besoin d'azo, koloba, n'est-ce pas, non? C'est une sœur. Mais, à l'objet, na maman, na jeune fille, na owana nyonso, besoin de se retrouver. Vous voyez quand même qu'azo dégage énergie, mon robot, et sungi, et sungi, ngaye. Donc, c'est une action, ba jeunesse, ba sali, pour tous, la quand même, nan de kona kat na biso. Alors, action, il faut soutenir Kango de temps en temps. Et on la raison de la rabiso pour pambola, 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 rabiso. Maman, kokanga saki te, kokanga mote mate, fongola saki. Et aider ma maman, aider ma soeur, aider département à jeunesse VIP. À la prochaine, Lissousou. Tout ça, la lissus, koleka, 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 oh. Peut-être à la fois prochaine, tout ça, la salle moko bien climatisée. Si quoi, tu bengi si papa n'a biso, a vendi n'a kati, a ba autorité, ba tu minene n'a biso n'a kati, si quoi. Papa zolo, ba si quoi, biloko a boe. Mais n'a kati, a salle moko ya VIP. Maman, bolingi bongote? Bolingi bongote? Papa n'a biso, a l'ingal excellence. Hein? Le lon église, je m'sous, na salle moko ya kitoko makasi. Na inter wana pourquoi pas. Pas ni pena même ligne té. Pas ni na Béatrice té. Hein? Toi soutenir la action à boy aider département ya jeunesse et parvenir na osala makambo minene. Ce qui protocole na biso asilisi on en passe. Sans plus tarder tozo benga ndeko na biso oyo azana mo ya remerciement. Sœur Chimène. Révérend pasteur, représentant légal de la CACVH, distingués invités, chers frères et sœurs, tout est bien qui finit bien, dit-on. Nous venons de passer des moments importants, des moments historiques. La femme vient de gagner. Elle vient de gagner, non de panne, mais plutôt de savoir constituer de l'information nécessaire à son épanouissement. La jeune fille vient de tirer profit de belles idées soutenant son épanouissement. Nous venons de reconnaître ensemble qu'investir dans la femme et la jeune fille, c'est investir au développement du pays. Car toute femme bien préparée assume ses responsabilités, une certitude de développement de la nation, ainsi de l'Église qui est le corps du Christ. Il nous a été aussi rappelé nos droits,
notre égalité, nos chances en politique, au travail et dans les entreprises tant privées que publiques. La femme possède le même droit que l'homme. C'est pourquoi nous crions plus haut, tout haut, réveille-toi femme, toi qui dors. Le développement de la République démocratique du Congo passe par toi. Tant que tu travailles pour l'épanouissement personnel et celui des autres, tu resteras la mère de tous. Il nous a été rappelé que la femme et le bonheur marchent ensemble, n'est-ce pas? Mais sans se connaître, les promesses de l'Éternel sur la femme restent un mystère connu entre la femme et Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me contredire. La Bible dit le salut vient de Juif. Oui, c'est vrai, le salut vient de Juif. Mais le salut vient de Juif, mais qui a cependant le développement vient de la femme. Qui a compris que le développement vient par elle, c'est cette femme-là qui a compris au moins son devoir et ses capacités et son pouvoir de faire quelque chose pour le bien des autres. Révérend pasteur, distingueux invités, chers frères et sœurs, certes, ce 30 mars 2024 constitue la journée de clôture du mois de la femme, mais à Kalembelembe, c'est le commencement d'un nouveau style de vie lié à la transformation quotidienne de la femme et de la fille, comme l'a toujours dit notre père, Papa François, voici l'homme. Nous disons merci à notre père, le pasteur François, voici l'homme Mutombo, qui a toujours donné l'occasion à ses enfants de se cultiver. Papa, nous te disons merci. Nous disons merci aux oratrices dont le talent ne plie à démontrer. Vous avez fait le meilleur de vous-même. Félicitations. Et nous disons merci à vous tous, frères et sœurs ici présents, à l'année prochaine pour le bilan. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Maboko, 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 makasi. Bandeko, maboko, makasi. Poto meli susute na zo senga mutu nyonso atelema. Papa zo sambe la mutu nyonso. Mais ozo simba quelque chose na loboko na yo. Tozo teleme la esprit de mort. Tozo teleme la ba plan ya monde de ténèbres. Tozo teleme la nyonso diable la koviko sala. Ya kendengo zo zonga boy. Oh mama kenda ki nini o asala ki aksida. Oh mutu ka mogo esala ki nini o mutu ka esala ki so gindenge nini. Oh moto. Tozo teleme la nyonso ya mulili o diable la koko ocha nanzaya na biso. To ya ki na kimia, tozo nga na kimia. Tozo teleme la esprit de mort na kombo na Kristo Yesu. Esprit de mort, tout hôtel et mélayo, au nom puissant de Jésus, ba planion sur le monde à Moulili, au bako sa basi ba télémissi, y'a ba accident, y'a ba surprise désagréable, y'a ma kamamala mouté dans zela, tozo bébé sa ba planion sur le monde à Moulili, tozo détruire, nyon sur sa makanis na bango, tozo ke no kote le mela, nyon sur sa ki ba miango na bango, moto na zambe, écoute la confusion, na maele nyonso moulili, oba tchaki liboso na biso, mobate limone na sa liboso na biso, nyonso a ténèbre zika, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tozo senga na papa a clôturé, moutou na moutou a simbi, offrande a tcheli ko na moutou, papa a sambeli pe biso nyonso. Micro. Papa, ça te. Tiens, le beau qu'on a monté tous ensemble là.
moto ya mokili akoki ko sangisa bato pe azangelo akoyebisa bango mais epa na yo Lazare n'existe.